Bienvenue chez Las Vegas Infotech. Allô tout le monde. Fait que j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Je viens juste de me lever. Ça, j'ai la voix un petit peu plus grave là. Je pensais à ça là. Je vais faire une petite vidéo parce que j'ai découvert ça hier là. Fait que j'ai dit il doit y avoir bien du monde qui ont eu le même problème que moi pour installer Sonic 3 Complete. Fait que si vous savez pas c'est quoi Sonic 3 Complete, c'est Sonic 3 avec Sonic et Knuckles ensemble, quand on voulait mettre les deux jeux ensemble. Même un peu modifié, ben avec des options de plus, puis un petit peu réarrangé. Au pire, si vous voulez avoir plus de détails, c'est, en tout cas, c'est, je vais vous mettre le lien pour leur site, qui explique plus en détail c'est quoi au juste. C'est en anglais, par exemple. Ben, c'est ça, c'est la meilleure version de Sonic 3 et Knuckles. C'est la version Sonic 3 Complete. Salut tout le monde, bonne journée, j'espère que vous passez une belle journée. C'est juste pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Cliquez la petite cloche, comme ça vous allez être avisé à chaque fois que je fais des nouveaux vidéos. Puis aussi de me faire un like, comme ça. Fait que c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye tout le monde. Fait que si vous êtes comme moi, vous avez essayé d'installer ça, puis ça capotait, ça marchait pas, voyons, c'est quoi le problème? Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait, mais puis c'est quoi le problème, puis c'est quoi qu'il faut faire en réalité. Fait que vous pluguez votre Genesis Mini, vous l'allumez. Après ça, vous allez dans Lunar, Project. Vous allez dans Open Game Manager. Puis après ça, vous cliquez Add Game pour le rajouter. Si vous essayez d'ajouter Sonic 3 Complete, moi je l'ai renommé, là, d'habitude c'est juste marqué Sonic 3C. Mais vous pouvez le renommer pour être, vous souvenez plus c'est quoi, parce que 3C ça dit pas grand chose. En tout cas, vous n'êtes pas obligé non plus. Donc, moi je l'ai renommé. Si vous l'ouvrez, ça a l'air normal, mais là quand tu viens faire Get Information, paf, ça sort un message de même. Là, j'ai dit, coudonc, c'est pas le bon ROM, c'est quoi l'affaire, ça capote, tu sais. J'ai essayé une couple de fois, c'était là, ça, avec des ROMs différents, ouais. Ça marchait jamais. J'avais été voir aussi la liste de compatibilité sur le site de Lunar. Ils ont une liste de compatibilité, puis ils disent, ben, putain, qu'il marche avec le patch, là. Mais là, j'étais là, c'est une question de patch, là, c'est quoi l'affaire. En fin de compte, c'est une niaiserie. C'est juste que le scraper source, screenscape scraper, quand tu fais lui, ça marche pas. Faut que tu prennes l'autre de GameDB. Puis là, si tu le fais, paf, ça marche. C'est niaiseux de même. Fait que là, c'est ça. Là, après, tu peux le choisir. Ben là, ils ont moi, en tout cas, ils ont pas l'image de... Moi, j'ai été chercher l'image de vraiment une image de Sonic 3 Complete. Fait que vous pouvez cliquer sur moderne. Là, ils vont le mettre la pochette rouge en arrière. Puis, l'autre bol qui s'image. Ça, au pire, je vais vous la mettre disponible, l'image. Image, c'est ici. Sonic 3 Complete. Fait que paf, une belle image, Sonic 3 Complete. Fait que je vais la mettre pour que dans ma description, là, vous allez pouvoir la downloader. Ah, aussi, puis ici, moi j'ai changé de nom. Parce que là, il garde Sonic 3. Fait que vous pouvez changer de nom. Fait que Sonic 3 Complete. Puis ça a sorti en 2013. Je vais changer la date. 2013. Puis il y a la description sur le site que j'ai fait
Aussi, je vais chercher la description sur le site. Il y a une petite description quelque part, là. Fait que vous pouvez genre copier ça ici. Ah, mais tu pouvais pas tout mettre, me semble, fait que... Moi, j'avais arrêté, ici, je crois. Jusqu'à après PC. Fait que vous pouvez copier ça. CTRL-V pour le coller dedans, ou tu peux-tu, hein? Bon, tu peux le coller, paf, ça le change. Change pour ça, c'est un détail, c'est parce que je voulais avoir un petit peu plus de détails, là. C'est cool d'avoir la description. Là. Fait que c'est ça. Ah, vampli, comment ça va? Complete. Je suis trompé de piton, pas réveillé encore un matin. Ben non, fait que c'est ça. Après ça, vous avez juste à faire add game. Il n'y a rien à changer, pas rien à cliquer, pas rien à faire. Ça va dans l'émulateur normal. Là, il t'avertit parce que tu as changé de titre, là, puis tout, là. Fait que là, vous faites yes, yes. C'est tout. Après ça, votre jeu, il va marcher. Fait que c'était une niaiserie de même. Hein. Quand j'ai trouvé ça, j'ai dit, je vais pas être le seul à qui c'est arrivé. Fait que... Ils ont fait une petite vidéo là-dessus pour montrer ça. Bon, ben... Si vous avez apprécié, abonnez-vous à ma chaîne. Et, aussi, faites... Ah, ouais... Je voulais dire, si vous savez pas comment mettre les jeux, mettons, dans Genesis Mini, puis tout, là, vous avez juste à aller sur ma chaîne YouTube, là. J'ai une section rétro gaming, là. Fait que je montre tout ça, là. Je montre comment installer, comment mettre des jeux dans Genesis Mini, puis tout, là. Comment installer l'update, plein d'affaires. Fait que... Vous pouvez vous servir de ces vidéos-là si jamais vous savez pas comment mettre des jeux dans Genesis Mini. Là. Bon, fait que... Si vous avez aimé ça, faites-moi un like. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquer sa petite cloche, comme ça vous allez être averti à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Il y a aussi l'aide Patreon, là, si vous voulez me supporter, puis m'aider à avoir... Puis aussi, vous allez avoir accès à du contenu exclusif, là, des arrière-scènes, mettons, des bloopers, des affaires la même. Là, j'ai pas grand-chose de fait jusqu'à date, parce que j'ai pas grand Patreon jusqu'à date. Là, mais si je peux en avoir une coupe, là, je vais faire plus de contenu. Fait que c'est ça. Ça, si vous savez pas c'est quoi Patreon, c'est un gros site reconnu, là, que... plein de YouTubers qui font affaire avec ça. Là. C'est pour si vous voulez sponsoriser le YouTuber en l'aidant financièrement. Là. Fait que c'est les choses par défaut, c'est genre une pièce par mois. Si vous voulez me donner une pièce par mois, ou 5 pièces par mois, ou 10 pièces par mois. Fait que vous pouvez faire même une pièce par mois, là, ça va être bien correct. Moi, c'est juste par j'aimerais savoir plusieurs personnes, là, pour que ça montre que. Comme ça, ça fait pas peur aux autres. Là, faut que vous rentrez votre carte de crédit, fait que ça fait peut-être du peur au monde. Là. Mais c'est pas un site que moi j'ai fait, le site Patreon, là, c'est un gros site. Vous pouvez aller voir, là, vous allez voir, puis ou allez voir d'autres YouTubers, vous allez voir que des gros YouTubers, là, dans leur description, la plupart ont ça, un site Patreon. Là. Fait qu'il n'y a pas de danger partout. Là. Fait que ça serait bien cool là, si vous pourriez m'aider à une pièce par mois, ou même si c'est rien qu'une pièce par mois, ça va me faire bien plaisir. Faites comme vous voulez, parce que nous, faudrait que je m'arrête un micro, un vrai micro, un autre casque aussi d'écoute, parce que c'est un petit casque d'écoute cheap. J'ai pas de webcam en cause. Quand je me filme ou je filme des affaires en dehors, je filme ça avec mon téléphone. Là. Fait que c'est plus compliqué, là, ça complique un peu les affaires, fait que... En tout cas, je vous dis ça de même, là. Vous êtes curieux, là, faites juste aller voir, vous allez voir c'est quoi. C'est bien simple, c'est pas compliqué, là, puis... Moi, ça pourrait m'aider, là.
ça m'encouragerait à continuer à faire du bon contenu, même du meilleur contenu, si je pourrais m'acheter du meilleur matériel. Bon, ben c'est ça. Fait que, un gros merci. Si vous pouvez me faire un commentaire aussi si vous avez trouvé la vidéo bien utile. Là. Si vous étiez pogné comme moi là, la même niaiserie, là, que ça ne marchait pas. Puis en fin de compte, c'est une niaiserie. Là, c'est bizarre. Là. Fait que là, ça marche. Là. Fait que je suis bien content. Moi aussi, je trouvais ça bien bizarre. Bon, ben c'est tout. Fait que bonne journée tout le monde. Puis à la prochaine vidéo. Bye bye.